Bonjour tout le monde, c'est Reden, j'espère que tout super bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Pokémon Steam. Alors où sommes-nous? Nous sommes au pied du Mont Légende. Et j'ai fait une petite session d'XP. On est à peu près tous niveau 65 et Pikachad 70. J'en avais envie. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans le chemin, j'ai affronté mes rivaux et il me reste plus que Brian, donc le principal. Lui, il est éclaté, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il est là, il fait je suis pas encore prêt pour combattre. Je l'ai atomisé. Qu'est-ce qu'il y a eu entre deux? J'ai fait le plein aussi d'objets de soins. Pour être bien, j'ai farmé les jetons au casino pour avoir énormément d'argent. Et je me suis mis bien, très très bien. Même niveau ball, je me suis mis max hyper ball. Ce que je pouvais en honor ball, malheureusement c'est capé à 99, je fais bon, bah tant pis. J'en ai aussi profité pour aller faire un tour dans la zone de glace, l'aire de glace. Et j'ai chopé un deuxième multi-exp quand on échange les Pokéglaçons contre les cadeaux hippiques. Donc ceux qui valent 250, je crois. Donc 250 Pokéglaçons, vous avez un cadeau hippique, donc qui peut prendre plein de choses. Et j'ai reçu un multi-exp et une mémoire ball. Ça me fait une deuxième mémoire ball, donc ça peut être très pratique si j'ai des Pokémon légendaires. Et en parlant de Pokémon légendaires, pendant que j'étais en train de farmer sur Twitch, j'ai exploré et j'ai effectivement gagné, j'ai capturé des Pokémon légendaires. J'ai capturé un Regice, j'ai croisé Regirock, j'ai chopé Latios. Et une dernière qui est assez connue, enfin, je sais pas si ça va vous dire quelque chose. Je sais pas, c'est pas très connu comme Pokémon. Par exemple, je sais pas moi si je vous dis. Celebi ? Celebi, ça vous dit quelque chose ? Ça peut vous dire quelque chose, hein, peut-être, hein, ou pas. Hein. Mais ouais, j'ai un putain de Celebi. La preuve en est, hein, vous inquiétez pas, hein, je ne mords rien, hein, je vous montre directement sous vos yeux ébahis, bien sûr, le Celebi en question, il est là. Donc ils sont plutôt pas mal, donc on a eu Regice, Celebi, Zeraora, bien sûr, Heatran, j'ai chopé aussi un Heatran, donc plutôt pas mal, Latios qui a la Roseam, Latias aussi, donc il y a deux Roseam. C'est quand même pas mal, donc vous avez les provenances. N'hésitez pas bien sûr à faire pause pour regarder où ça se trouve, hein. Comme ça vous avez un aperçu. Il manque juste deux Pokémon, c'est Regirock et Missino. Missino qui se trouve dans la zone de l'aire d'entraînement. Pour ceux qui le savent, mais le seul moyen d'y aller c'est d'avoir les 8 badges. Mais il est extrêmement difficile à capturer, vraiment très très difficile. Donc j'ai pas réussi à le capturer, je l'ai déglingué. Mais ce qui est bien dans ce jeu, c'est que quand vous mettez KO un légendaire, il ne disparaît pas. Vous pouvez le réaffronter un peu plus tard. Et ça c'est juste très très bien. Donc on a plein de petits légendaires qu'on commence à avoir. Et j'en ai profité en même temps pour apprendre... Des attaques et tout. NR a ébullition maintenant, ce qui est juste génial parce que c'est une attaque de statue. Donc je peux maintenant soit paralyser, soit brûler, soit geler. Et je peux aussi paralyser. J'ai deux attaques paralysie, soit brûler, soit geler. Donc j'ai beaucoup d'attaques de statue, que des attaques de statue avec NR. Drago, lui, il a rien appris de nouveau. Vasomadoum, lui, a appris pouvoir lunaire. Enfin, donc j'ai enlevé Vampy Baiser pour mettre pouvoir lunaire. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut servir. Donc Kota Ibushi à séisme. D'ailleurs, normalement, c'est comme ça que ça se passe, hein, dans l'ordre logique des choses. Parce que maintenant, le pouvoir lunaire est même plus puissant que Psycho, 95. Donc, c'est pas mal. Et Laser Glass, oui, Laser Glass est plus puissant que Tonnerre. Ah non, autant. Ok, j'ai rien dit. Et voilà. Vous savez, hein, moi et mon côté maniaque. Et Pikachad, je lui ai appris Toxique et Champ Canon. Pourquoi je lui ai appris Toxique et Champ Canon? Parce que je pense que ça peut être assez pratique. Vu qu'il est assez costaud quand même de base, je trouve. Commencer à lui mettre un Toxique, ça peut être pas mal. Ça permet de setup
ce qu'il faut. Et contre les ennemis qui ont des Pokémon extrêmement coriaces, ça pourrait être extrêmement bien. J'en ai profité pour optimiser à max ses stats. Donc là, vous voyez, ses stats sont légèrement augmentées. Hein, donc il a un peu plus de vitesse et un peu plus d'attaque SP. Donc il a les EV à fond. J'ai baissé son attaque et sa vie. Pourquoi? Parce que bah justement il faut que je l'optimise. Donc il a 248 d'attaque SP. Pour un niveau 70, c'est vraiment beaucoup. Clairement, il va peut-être me faire un peu de 300 d'attaque SP. Et en vitesse, il est presque à 400. Au niveau 100, il va me faire peut-être un 400 en vitesse au niveau 100. Donc ça va être très très sympathique. Et après, tout le monde a bien monté et tout. Et donc là, je suis assez content de l'équipe pour l'instant. À part Vincent McDoom qui me plaît de moins en moins. C'est peut-être pour ça qu'il va peut-être avoir un petit changement dans l'équipe. Je pense plutôt à Latios. Même si je sais que ça va me faire un doublon avec Drago. On va faire double dragon, c'est vrai. Mais pour l'instant, on va voir comment ça va se passer. Et puis voilà, les nouveautés qu'il y a. Et donc, let's go. Hein, on va faire l'aventure. Donc, c'est au tour de Brian. Hey, c'est Irden. Ah, on est juste devant le monde légende. Ça va te sembler bizarre, mais j'ai peur d'échouer. Si ça, je réussis à faire venir Corios, mais qu'est-ce qui va se passer? Je prouve des sérieux sur notre réussite. Je veux savoir si je suis au niveau pour prendre ma revanche contre Zash. Le vainqueur aura l'honneur de pouvoir mettre une raclée à Zash et lui faire comprendre qu'il va venir un Pokémon aussi puissant que Corios, c'est la pire des idées. Et là, c'est le combat techniquement final contre le rival. Direct, tu m'envoies un Junko. Moi, direct, je t'envoie Kotai Bushi. Niveau 57, ok, vas-y. Moi, je suis niveau 65. Et normalement, si je me trompe pas, il va changer. Il va pas le laisser. Voilà. Pyrax. J'ai bien fait. Et j'ai Aéropic. Voilà, parfait. Débarrassé. Alors apparemment, Pyrax, c'est un semi-légendaire. Je le savais pas. Karchakrok. Salopard. Karchakrok. Celle-là, je l'ai pas vu venir. On va envoyer Ener. Ener qui a Laser Glass. Normalement qui va calmer bien comme il faut ce Karchakrok. Normal, c'est un Karchakrok, on ne peut pas s'attendre non plus à un truc de fou. Pareil, hein, Laser Glass. Normalement, si ça se passe bien, tu peux même le geler. Yes. Oh, t'as une potion max, t'es toujours gelé mon gars. T'es toujours gelé. Voilà, vas-y, tu viens gaspiller tes deux potions max. Es-tu fier? Ah, moi je veux savoir. Parfait. Donc là, tu m'envoies et les câbles. Normalement, si je te fais laser glace pareil. Ouais, ok. Point d'art. Ouais, donc t'as l'orbe de vie. Je vais faire rebond. Exagide. Ah, bah tiens. Tiens. Voilà quelqu'un qu'on connaît bien. Ah ouais, mais j'ai piqué le chat de nuit. T'as les restes? Attends, deux fois de suite, ça marche pas. Voilà. De toute façon, mec, c'est une attaque physique. Ça s'est fait remarcher. Donc là, en fait, tu faisais faire que spammer bouclier royal. Quelle est ton utilité dans ce monde, Exagide? C'est juste pour savoir. Voilà, un petit toxique, voilà, on commence bien. Et ensuite on fait champ canon. Il peut pas me paralyser, je t'ai déjà empoisonné. Voilà, et un petit champ canon. Voilà, au moins pour s'assurer qu'il est mort. Et en Philobi, oh mon pote, il est mort. C'est dommage, hein, t'avais des bons pokés. Hein. Oh. Quoi, félicitations, finalement, de nous deux, tu as toujours été le plus fort. Si on réussit à déjouer les plans de Zash, on se retrouve à la ligue Pokémon pour notre ultime combat, pour le maître titre de maître. Allons-y, direction le sommet des monts légendes. Et on a à peu près réussi, on a eu un petit peu de casse. Mais ça va. Oh, tu es là, Raiden. Oh, je vois que tu as réussi à obtenir les B-Badges de la région. Tu m'épates, mais ce n'est pas le moment. De peu de ce que je sais, Zash a fait revenir le dieu Arceus au sommet des montagnes. Il n'y a pas à croire que l'ancien maître de la ligue fasse quelque chose de pareil. Je connais Zash depuis tellement longtemps pour que pour moi c'est impossible qu'il fasse une chose pareille.
Pourquoi veux-tu ramener un Pokémon qui a failli détruire le monde entier? À cause de son objectif, il a ramené une armée de criminels qui ont saccagé la région et ont même tué des innocents. Seulement j'avais été mis au courant de la situation bien avant. Tout cela ne serait jamais arrivé. Quel pitoyable maître je fais. Bon, le temps presse. Adon, je t'attends au sommet de la montagne. J'ai déjà prévenu tes amis de la gravité de la situation. Ils sont partis chercher des renforts parmi les meilleurs dresseurs de la région. Tous ensemble, on va réussir à arrêter cette menace. Mon légende. Et là-dedans, il y a mon chouchou, mon loulou, mon bébé à moi. Tyrannosif! Oh, il y a du Métalos. Et puis voilà. Mon légende extérieure. Waouh, ok, il y a plein de choses. Hyper Ball, ok. Oh. Bonjour madame. Ouais, c'est... Oh, oui. Parfait. Parfait, parfait. Oh, Galopa. Attends, je suis à l'extérieur. Bah oui, je suis dans une nouvelle zone. Ah, j'ai claqué des objets de PP pour rien. Oh, c'est pas grave. Et donc ici, on a Eturaptor, Frison, Galopa, Tenefix, Linéon, Gabutops, Fortress et Anusman. Bon. Tonnerre. Ok, Tonnerre était là. Ok, je savais qu'il était dans le coin. Voilà, donc Vincent McDoom, Tonnerre. Voilà, déjà, voilà, là avec ça, on discute. Monsieur, cette grotte est beaucoup trop dangereuse. Je vais passer seulement les dresseurs qui ont montré leurs preuves. Non? J'ai pas fait mes preuves selon vous? Oh! Oui. Ah, te voilà, Raiden! Tu nous as humiliés à plusieurs reprises. Même le président a la brillante idée de faire une armée pour t'interdire. Que comptes-tu faire face à nous alors que tu es tout seul? Il n'est pas seul! Alors, tu n'as toujours pas mordu. Tu n'as toujours pas mordu la poussière, Raiden? Oh, c'est les champions! C'est les champions d'arène! Je vais pouvoir reprendre ma revanche sur la mort de mon père! Non, cette fois, vous n'allez pas nous échapper. Comment on peut être prétendu champion d'arène si on n'accomplit pas notre devoir? Comment on pourrait me regarder dans une glace si j'ai accompli pas mon devoir de champion? On a été plus rapide que vous sur ce coup-là. Avec notre force, vous n'allez pas faire long feu, c'est moi qui vous le dis. Comment? Tous les champions d'arène de la région sont présents. Hé, hey, je suis là aussi. Wouah! Pierre Rochat! Le mec de la Ligue de la région d'Oen, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais comment ça c'est que tu sois là, toi? Avec les maîtres des ligues de différentes régions, on a formé un groupe pour vous empêcher de réussir votre plan. Je suis le premier sur place, les deux vont pas tarder. Pierre Adan, c'est ça. On va les combattre, toi continue, il faut pas qu'ils arrivent à leur fin. Ils sont tellement dans la merde. C'est Pierre Rochat, tu le cherches pas en fait. Ah, alors le seum, les filles, hein? Ah, hé, pleurez pas trop, hein? Ça va s'entendre. Ah, le sale qu'il en met. Ah, Pierre Rochat! C'est bon, ça. Mais madame, comment ça se fait que vous êtes là? Enfin, bref. Une petite sauvegarde. Nous sommes les derniers sbires. Tu vas nous affronter, nous quatre, à la suite, sans pouvoir t'arrêter. Je commence. Ok. Alors, me dis pas que t'es full. Non, ça va. Juste deux, ça va. Ça va. J'ai tonnerre maintenant. Ah. Oh. Oh, j'ai Clédo, normalement ça fait pas beaucoup de dégâts. Voilà. Écosphère. Ah, voilà. Ah, j'ai perdu. Mais ce n'est qu'un début. Ah, je prends la relève. Vas-y. Smogogo. Tu
crois vraiment que tu vas me niquer. Je vais te shooter et tu vas te paralyser. Dommage. Dommage. Ok, pour l'instant ça va. Quoi? Mais je me suis fait battre moi aussi. Ah, c'est vraiment minable chez Team Aqua et Magma. Elle connaît la puissance de la Team Rocket. Ouais, vous êtes pas bien mieux. Mec, tu te présentes devant moi avec la noce d'enfer. Estime pas avoir du flow. Même empoisonné, je t'éclate. Sans problème. Même empoisonné. Pas de problème. Ah, je me suis fait lamentablement fait battre. Tu dois être fatigué après tous ces combats. Non, ça va. Avec mon équipe défensive, tu n'as rien pour pouvoir faire. Ah bah ça tombe bien, c'est défensif, si t'es pas très offensif. Donc je peux me soigner. C'est cool, merci. Je fais révolution. Si t'es brûlé, c'est bien. Tiens, tu t'as pas tout, c'est pas grave. Mais on a Kotei Bushi. Ah, pourquoi j'ai fait ça? J'ai mis ce clic. C'est ça que je voulais faire. Bon, overkill. Encore? Attends, mais t'as que ça? Ah ouais, t'as que ça? Ah ouais, tu n'as aucun goût en fait. Ah ouais, ils me sont vraiment merde. C'est qui ce type? Mais beaucoup trop pas pour nous, on se tire d'ici. Ouais, bah je me soigne. Heureusement que madame elle est là. Pardon? Mais je suis en train de me soigner. Ça se fait pas ça. On va te coucher quoi. C'est fou ça. Je suis peinard, l'autre il vient, il m'agresse. Ah. Je prends les devants. Ah, tu vois l'enfer, Eden. Depuis notre défaite à la première base, on s'est énormément entraîné en combat duo. Cette fois-ci, tu n'arriveras pas à nous battre. Pourquoi tu crois que j'ai ramené Pikachu? Gros tas de morts, nous sans faire. Ouais, parfait. Ouais, tiens. Bah vas-y, claque ta potion max. Je m'en branle, mais... Lune de force. Vas-y, on recommence. Là, les deux, vous êtes morts. Ah non! Ok. Bah, pas de problème. Voilà, au moins le gros mort, lui, il est mort. Arbok! Oh, je pense que je peux laisser Ener. Couper l'archéodong et. Pikachu, il peut s'attaquer au Arbok! Voilà! Voilà! Comme ça, deux débarrassés d'un coup. Corbos, Chaffreux. Le premier qui tue. C'est Pikachu. Le premier qui tue est l'autre. Ah. Le Pokémon, il l'aime par son dresseur. Bon, vas-y, alors, on déglingue le matou. Et Pikachu n'est même pas mort alors qu'il est empoisonné, normal. Encore perdu. Ce n'est pas étonnant, il a réussi à nous vaincre nos leaders plusieurs fois. Donc comment veux-tu qu'on arrive à battre un dresseur pareil?
Bon, au moins, on aura gagné du temps. C'est le principal. Ouais, attends, je suis avec mon équipe. Au moins, histoire d'eux. Les Zerglas. Ça l'a pas tué. Ça l'a pas tué. Ok, ça veut se la jouer comme ça. Ok. Ah, c'est bon, j'ai des Honor Ball, pas de problème. Voilà. C'est un taux de capture assez élevé. Et lui, les Ténèbres Spectres. Ah, d'accord, c'est donc Spectre Ténèbres. Ténèbres Spectres, c'est pas du tout pareil. Hein. On s'en fout. Voilà. Parfait. Merci, madame. Très gentil. Elle est pas mal, ça. Hein? Oh merde! Nous sommes la trio des ombres! La guerre personnelle et président! Il nous a donné l'air de t'arrêter! C'est moi qui vais commencer! Ah ouais, d'accord, heureusement que je suis allé me soigner. Ninjask! Ah! Bah mec, il faut savoir ce que tu veux en fait. Moi j'étais chaud hein! Pour l'instant ça va. Bon, go, go, dégage. Non, même pas. Ok, même pas. Ok. C'est pas grave, on a son magnum. Voilà. C'est pas grave. Et il s'évacue comme un fou Ener, donc c'est bon à un moment donné. On laisse se reposer un peu, on va laisser les autres. De toute façon, il y a ces Pikachu qui va intervenir. Ça va être vite réglé. Hein. Très vite. Oh bah là. Ah j'ai prévenu hein. J'ai prévenu, hein. Là ils font les marioles, mais je les pulvérise. Hein. Ah ouais, non, non, mais là. Toi tu fais le kéké parce que tu m'as attaqué en premier, mais. Voilà. Ah, pardon! T'étais en train de me battre? Ah bah oui. Je vois, tu oses nous résister. Tu as assisté à la puissance du membre le plus puissant du trio des ombres. Tu vas être fatigué après tous ces combats. Non, ça va, je vais t'éliminer très rapidement. Non, mais j'ai encore d'autres mondes derrière. Attends! J'arrive juste à temps, on dirait. Le seul et toute l'équipe. Merci. Pensez vraiment pouvoir me battre? On va le savoir tout de suite. Bah, ouais. Kabutops et nous sans faire. Aucune difficulté. Vraiment. Non, ça va? Absol, ok. Scissaiox. Ah! Scissaiox, on va peut-être se focus dessus. Ah non, finalement, ça allait. Paralysé? D'accord. Il y a l'orbe vie. Ok. Il tient. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah parfait! Ah le bon duo électrique là, ça fait mal là. Sacha Nobi! What the fuck? D'où il a ça lui? D'où il a un Sacha Nobi? Comment il a fait pour avoir un Sacha Nobi? Mais comment c'est possible? Ça censé être les dresseurs les plus puissants. On vous a sous-estimé. Vous pouvez les passer désormais. Ah, c'est la fin désormais. Faut plus reculer. On peut tout prix empêcher ses âges de ramener Corios. Je conseille d'aller soigner ton équipe, on sait jamais. Ouais, pas faux. Mais d'où tu sors ton Sacha Nobi, mec? Il est pas là? Sacha Nobi, ah ouais.
Attends, tu veux dire qu'il a une autre évolution maintenant? Parce qu'il est 341. Ah, donc il doit avoir une évolution alternative. Ah, si j'aurais su. Si j'aurais su. Si j'aurais su. Ce sont des choses qui arrivent. Je voulais fuir. Mais bon. Je voulais fuir, mais bon, après, si tu veux, pas de problème. Hein. Toi, tu m'énerves. Je passe devant lui, là, il me trigger, là, il est trop bien, là, il est trop zen. Il est trop zen, là. Voilà. J'ai bien XP. Merci. Désolé, hein. Mais zénitude comme ça, ça me gonfle. Mais t'as juste, non. Et on y arrive. Ho ho. Ho ho. La musique est là. Intéressant. Mais vous savez quoi? Ce sera pour la prochaine fois. Oh là 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 là, le Raiden est un enculé. Ah, oh, je suis un méchant, je suis un vilain. Oh là 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 là. Bah bref, voilà. Voilà, ce sera pour la prochaine fois. J'ai quand même réussi à monter tout en haut en un seul coup. C'est franchement pas mal. Mais pour le boss, ce sera pour la prochaine fois. Parce que sinon, vous ne cliquerez pas sur la vidéo prochaine, évidemment. Si je vous mets tout de suite, c'est pas intéressant. Donc on va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez les bails, le pouce bleu, partage, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas bien sûr d'activer la petite cloche, ça aide énormément la chaîne. Et si vous êtes au courant de l'actualité, et ben c'est très simple, il suffit de checker la description pour trouver le lien du Discord et du Twitter de la chaîne. Sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine, c'était Resto pour servir, à vous les studios, ciao.